De retour avec les Bordeaux 2007, je dois avouer que le Château Montrose fait partie de mes préférés. Tout d'abord, parce que j'ai eu une bonne expérience avec les vieux millésimes et que pour moi, Montrose produit toujours du très bon vin. Depuis 2004-2005, sous l'impulsion des nouveaux propriétaires, le Château Montrose a atteint un niveau encore plus haut. Dans le passé, les vins jeunes étaient un peu austères et fermés et avaient besoin de quelques années pour s'ouvrir. Aujourd'hui, les vins sont plus accessibles et vieillissent toujours aussi bien. Je pense que le vin est devenu plus souple, plus arrondi et élégant. Ce millésime 2007 est excellent. J'adore ce vin pour la pureté du cabernet, ses notes florales, des précisions remarquables qui manquaient peut-être dans les millésimes plus anciens. Au palais, structure moyenne, belle densité de fruits, saveur intense, délicieuse note de cassis, bonne longueur et note raffinée d'épices sur la finale. C'est un vin très agréable à boire aujourd'hui. Et avant de le servir, je le mettrai en carafe pendant 30 minutes. Cependant, afin qu'il gagne encore en complexité, je suggère de le conserver 2 à 3 ans en cave. Pour l'accompagner parfaitement, un poulet bien grillé ou du magret de canard feront magnifiquement l'affaire. Très bon vin, régalez-vous.